Salut les potos! Alors, une petite vidéo, on ira faire un petit tour dehors après. Parce que ici, en une bonne semaine, j'ai quand même vachement turbiné. Aujourd'hui, j'ai rien fait. En plus, j'ai un abcès. Et ben voilà, je suis pas dans mon assiette. Mais j'ai bien travaillé, je suis content. Juste pour vous montrer encore les folies que j'ai fait. Voilà. Tout ça. Ce sont des semences que j'ai encore achetées, j'en ai pas assez. Je vais pas vous dire le nombre de variétés que je possède parce que c'est grave, mais c'est vraiment ma passion, le jardinage. Donc le but du jeu pour moi, pour le moment, c'est d'acheter un maximum de graines Cocopelli, Saint-Marthe et encore deux ou trois autres producteurs totalement bio qui vendent des semences reproductibles. À terme, dans un espace-temps de 3 à 5 ans, j'espère 3 ans, je veux être autonome en graines et en semences, en reproduisant moi-même ce que j'ai acheté, ou tout au moins en reproduisant ce qui a bien fonctionné dans mon jardin et ce qui m'a plu ou a plu gustativement à ma famille. Mais je ne m'arrête pas aux légumes. Par exemple, ici, j'ai pris de la cameline. C'est un engrais vert. J'ai pris... y a la laitue, il y a du pois, il y a de la courge. J'ai pris des bleuets des champs à fleurs blanches. Ça, c'est très mellifère, c'est excellent. Du masseron. C'est un très, très, très ancien légume. Qui rappelle la saveur du céleri. C'est un légume qui a disparu et qui se reproduit très facilement puisqu'il monte assez rapidement en semences. La bourrache à fleurs blanches, j'en ai qui pousse spontanément chez moi en fleurs bleues. Donc voilà, comme ça j'en aurai encore un peu plus. De l'hypomée, des fleurs, encore toujours des tomates, de l'aubergine, j'ai peur d'en faire. Jamais réussi l'aubergine. Du melon kazakh, donc c'est un melon qui vient des pays froids, j'espère qu'on va le réussir en Belgique. La gastache, encore des fleurs. La morelle, qui est un légume fruit oublié aussi, qui ressemble fortement à la tomate, du chou chinois, de la betterave blanche, du poireau, de la courgette, de la courge, du brocoli chinois, la pastèque, on va essayer. Et puis mes fameux piments que j'ai beaucoup de difficultés à réussir parce que je veux absolument faire mes épices et il faut passer par le piment, le poivre et ce genre de choses, du concombre, de la carotte, des radis, du pois de senteur, des cosmos, du pavot, encore toujours de la tomate, encore du piment et puis quelques pois. Voilà, mais tout ça, ça ne représente qu'une infime partie de tout ce que j'ai déjà semé, tout ce que je possède, je n'ai pas encore tout semé, et rien ne me dit que je semerai tout cette année. Mais enfin, c'est pour vous montrer que, voilà, j'ai agrandi ma collection, mais c'est vraiment dans le but d'être totalement autonome, et je vais aller au-delà. Par exemple, ici, j'ai un concombre Puna Kiera, c'est une variété très ancienne qui produit une abondance de fruits de la forme d'une pomme de terre. De couleur vert crème. Eh bien voilà, si je réussis, si j'ai le bonheur de réussir ce concombre, et c'est relativement facile de faire des semences de concombre, tomates, piments, etc., je vais essayer de faire beaucoup plus de semences que j'en ai besoin pour pouvoir échanger. Donc, en toute logique, l'année prochaine, je ne devrais rien acheter puisque je vais agrandir ma collection uniquement sur base d'échanges. Et ça, c'est mon but ultime. Voilà, juste pour vous montrer, mais je voulais vous montrer parce que derrière, j'ai encore fait d'autres folies. Petit tour dans la nurserie. J'ai mis un peu d'ordre. J'ai rapatrié pas mal de choses dans ma serre froide. Alors ici, on voit que les tomates que j'ai repiquées dimanche ont l'air de bien se porter. C'est déjà pas mal. Hein, j'ai quand même 4 bacs ici. Je dois encore avoir 2 ou 3 bacs là-bas. Les dernières là, mais je pense que ce sont des tomates cerises, je me souviens pas trop, tire un peu la gueule, mais on verra bien l'autopsie.
Là-bas, j'ai du chou chinois. J'ai ressemé des tournesols, des betteraves, il faut que je les repique. Ici, j'ai ressemé encore 3 ou 4 choses. Je regarde, c'est quand même relativement humide. Mon basilic se porte très bien, mais il faut 31 degrés, là. C'est un peu beaucoup. Hein. J'ai quand même quelques piments qui poussent ici, donc là je suis content. J'espère qu'ils vont tenir. Là encore, c'est du chou chinois. Et puis j'ai préparé ici deux platines. Tout à l'heure, si j'ai un peu de temps, un peu de courage, je viendrai mettre le terreau dedans. Comme ça, il va pouvoir chauffer toute la nuit. Et j'ai choisi cette fois-ci des plaques alvéolées pour faire mes semis de courges, courgettes, concombres, cornichons, quelques fleurs et quelques piments. On verra bien pour le reste. Hein. Voilà pour la serre froide. La serre froide, bon, malgré le soleil, parce qu'il y a quand même un beau soleil, il y a 26 degrés. Pourtant, la porte était quasi fermée complètement. Mes tomates siciliennes, mes premières tomates, moi ça me donne l'impression qu'elles décollent pas, mais enfin voilà. Ici c'est les bacs que j'ai rapatriés avec les tomates que j'ai encore à repiquer, je vais voir si je peux faire plaisir. Et éventuellement si certaines ne fonctionnent pas, eh bien ma foi je pourrais recommencer à repiquer quelques-unes. Et ça c'est les deux bacs que j'ai repiqués en même temps que ceux de la nurserie et que j'ai dédoublé pour voir s'il y a des résultats différents. Là il y a encore il y a du panais qui sort, tiens. Le fenouil n'a pas l'air de sortir extraordinaire, le céleri non plus. J'ai repiqué pas mal de choux, mais ça je vous montrerai là-bas. Les premières tomates, les concombres. Je pense que je vais vraiment devoir absolument les repiquer dans des pots beaucoup plus grands, des bêtes. Et alors ça aussi, c'est les toutes premières tomates, les premiers piments, mais ça a franchement pas l'air de décoller, celle-là, ça a l'air d'aller. Et puis la serre avec les fèves, les choux, les salades, tout ça se porte relativement bien. On va aller voir la dernière serre et le deuxième terrain. Alors voilà où j'ai encore déconné. En fait, il me manque une demi-paillasse juste là pour terminer mon tunnel. Puis j'ai été avec ma remorque. Et le gars m'a dit, écoute, ça rentre pas dans la remorque, faut livrer. C'était 15 euros la livraison. Alors, ben voilà, je lui ai dit, ben tu m'en mettras 5, plus des planches. Donc, ben voilà, avec 5 paillasses en plus, pardon. Et ben, ça veut dire que je vais encore faire une nouvelle serre. Hein. À un moment, il faut que je m'arrête, mais bon, quand on est passionné, on est passionné. Je suis désolé, c'est... Je suis loin d'être millionnaire, mais je vais pas au bistrot, je vais pas au football, je fais rien. Ma passion, c'est vraiment les petits enfants et le jardinage. Donc j'hésite, je pense que je vais la faire là, sur l'ancien grand permaculteur, parce que ce qui est au sol est extraordinaire. C'est vraiment bourré de... C'est bourré de bon, c'est que du compost, pur et dur. De la paille, du broyat, des feuilles, de l'herbe en couche superposée, plus tous les légumes qui sont restés, qui sont décomposés pendant l'hiver. Petite joie qui j'espère ne sera pas gâchée par un gel tardif. Voilà, j'ai un prunier en fleurs, magnifique, extraordinaire. Là franchement c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Mais j'ai peur. J'ai peur. Je sais pas si les pruniers résistent plus que ça, mais l'an dernier avec la gelée du 18 avril, si je me souviens bien. Comme dirait l'autre. Alors avant d'aller dans la grande serre, vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Il y a encore du boulot, hein, les mecs, ça je vous le dis. J'ai commencé à sécuriser la mare,
j'ai presque terminé. Et en fait, voilà, j'avais encore pas mal de piquets qui traînaient à gauche, à droite. On a mis les piquets. J'ai tendu déjà un fil. Ce sont tous des fils de récup. Hein. Il manque encore un petit bout, je dois voir ça dans un coin. Et puis j'ai juste acheté des canisses d'osier. J'ai entouré. Et normalement, on va arriver jusqu'ici. Et ici, je vais laisser une ouverture pour la faune et la flore de la mare. Normalement, je vais avec un copain chercher des tétales dans une rivière et les introduire dans ma mare. Paraît-il que là où les grenouilles naissent, elles leur reviennent pondre. Donc ici, je sécuriserai encore pour les enfants, juste là, un petit peu. Et de l'autre côté, mais ça c'est déjà prévu, j'ai des petites barrières. Hein. Donc je vais juste mettre une barrière ici, comme ça. Et comme ça, ce sera sécurisé pour les petits. Et ma mare pourra commencer à être fonctionnelle. Si je continue dans mes projets, là c'est un banc de récup, un banc communal, il y en a plein juste derrière. Donc il faut juste que j'achète deux planches pour poser ses fesses et deux planches pour son dos. Et j'aimerais bien poser le banc ici et alors faire une petite toiture avec petit ondulé, un truc pas cher, quelques piquets, je sais pas moi. Mais au moins sur 3 ou 4 mètres et faire la pente comme ça pour alimenter la mare en permanence parce que c'est une mare naturelle, il n'y a pas de bâche, rien du tout. Donc j'ai peur qu'elle ait tendance à s'assécher s'il ne pleut pas pendant un mois. Alors dans mes oignons, mes ail et mes échalotes, il me restait pas mal de trucs que j'avais pas mis au jardin. Donc là, j'ai retapé plus ou moins 80 oignons. Et ici, j'ai fait un bac rien qu'avec de l'échalote. Advienne que pourra, si je les mettais pas là, c'était pour les jeter. Et là, dans ma serre, pour l'instant, voilà, les salades poussent bien, mais on a quand même encore des journées assez fraîches. Donc, je laisse la bâche. Encore un truc que vous n'avez pas vu. Bon, j'ai turbiné comme un malin pendant une semaine. Et il faut seulement que je repose un peu. Voilà, souvenez-vous, ici, il y avait les bambous qui sont partis au bout. J'avais plein de framboisiers et j'avais les topinambours. Donc ici, j'ai récupéré une zone que je vais pouvoir cultiver. Et je pense que je vais y mettre les trois sœurs, c'est-à-dire maïs ou tournesol. Les haricots qui grimpent sur les tiges et au sol vous mettez les courgettes, c'est ce qu'on appelle les courgettes coureuses, hein. C'est ce qu'on appelle les trois sœurs. Les courgettes coureuses vont garder l'humidité au sol et vont protéger des mauvaises herbes. Les haricots vont monter sur les tournesols ou les maïs. Et alors encore un truc que vous n'avez pas vu, c'est je pense que j'ai pas montré, j'ai enfin clôturé avec mes paillasses ici tout au long. Et tous les framboisiers qui étaient juste là-bas et juste ici, ils sont tous repartis au long de la paillasse. J'ai quand même réussi à arriver jusque là-bas. Donc je vais pouvoir les accrocher. De l'autre côté, on a fait une tranchée. Et tous les topinambours que j'ai tirés d'ici, je les ai mis de l'autre côté. Donc le topinambour qui pousse très rapidement vont me faire une superbe haie totalement naturelle que je vais même pouvoir accrocher. Bon, pour les protéger du vent, donc ça va me protéger du vent, le vent du nord, le nord il est par là, et ça va aussi me protéger du visuel des gens qui pourraient venir me casser les bonbons. Il me reste encore toute une partie ici puisque j'avais pas assez de framboisiers, et là je pense que j'ai tapé un ou deux sacs de terreau, enfin de compost, du compost, j'en ai même encore, faut pas que j'en achète, j'ai encore mes 4 packs que j'ai pas touché, et je pense que ici tout au long je vais mettre des cornichons et des concombres qui vont grimper sur la paillasse. La verticalité, on n'y pense pas assez, ça vous fait gagner une place phénoménale. Et
Et aller, voilà, si vous mettez un concombre par terre, il va partir, mais il va partir jusqu'à la mare, là, juste là-bas. Alors que là, si vous le laissez grimper, il va peut-être encore mieux s'étendre et prendre son pied, quoi. C'est comme ici, j'ai retrouvé une mûre, je sais pas si elle va vivre, hein. J'ai retrouvé une mûre, en fait, c'est la maman, elle est là-bas quelque part sur la paillasse, mais quand j'ai nettoyé le coin juste là-bas, j'ai retrouvé cette branche qui courait et qui avait fait des racines. Alors je me dis, bon, je vais la mettre à côté de sa maman, quoi. Puis je me suis dit, mais non, il n'y a pas question. Je l'ai mis là et puis je l'ai mis sur l'arbre et on verra, elle fera sa vie. C'était une branche qui était vouée à mourir. Voilà, on va la laisser comme ça et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Allez, on va achever en faisant un petit tour dans la serre que... Là aussi, j'ai bien travaillé, je suis content. Bien avancé. Hier, il faisait très moche, il pleuvait, il faisait froid. J'ai passé 6 heures dans ma serre, quoi. Le pied total. Le pied. Bon, on voit quand même, allez, quand même 26 degrés. Ce matin, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Alors déjà, on a refait le chemin, ici au milieu. J'ai rehaussé à gauche et à droite avec des planches. C'est pas des planches chères, hein, c'est 8 euros, 3,50. J'ai remis du broyat au milieu pour avoir un sol propre et tout à fait égal. Et puis j'ai apporté énormément mon compost là-bas de feuilles, d'herbes, de foin, de litière, des poules, du lapin et compagnie. Ici, je dois encore en apporter au moins une brouette. Et puis au-dessus, je mets des sacs de terreau pas chers. Du terreau, du compost, des trucs vraiment pas trop chers. Et puis j'ai commencé à repiquer des salades que j'ai semées moi-même. Mon carré de céleri, ciboule, ciboulette. Et voilà. Ça commence vraiment à avoir de la gueule, quoi. Et puis, voilà. Ici, j'ai semé des pois. Là, j'ai repiqué... dans le désordre, parce que j'ai vraiment... Voilà, j'ai trouvé... ça revient à un simple pot, hein. C'est des pots pour les barbecues, là. Enfin, tout ce que vous voulez. C'est 1,32€ pour 100 pots. Et je voulais absolument des pots où je puisse marquer les numéros. Donc, ben, j'ai pris ce système-là. Donc, dans le désordre, j'ai repiqué des brocolis, des choux-fleurs. Là, c'est encore des pois. Des brocolis, des choux-fleurs, des choux de Milan, des vertus, du chou-kale, etc., etc. Ici, j'ai mes petites salades, mais franchement, je ne suis pas satisfait. Alors, là, elles commencent peut-être à décoller un peu, parce qu'elles ont quand même 3 semaines. Je les ai repiquées dimanche. Elles devraient être quand même vachement, vachement plus grandes, quoi. Mais enfin, que soit. On verra... au fur et à mesure, j'ai quand même encore quelques salades à manger, à consommer, des pains de sucre. On reçoit des gens dimanche, Pâques. Donc on va leur faire une bonne salade bien naturelle. Voilà, voilà. On a fait le tour. Il y a certainement encore mis une chose à vous dire. Mais enfin, c'était juste pour vous montrer le boulot. Je suis content. J'ai bien travaillé. Demain, c'est prévu, je sème. Et si j'ai le temps, j'irai peut-être chercher du matos pour préparer ma serre. Mais bon, pour la serre, si on considère que... Donc ce serait là juste en face. Hein. Si on considère que j'y mets des tomates et des poivrons, des piments, ma foi, j'ai encore un bon mois avant de la terminer, quoi. Je vais essayer quand même de faire au plus économique pour la couvrir. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes... une bonne fin de journée, éclatez-vous dans vos jardins et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !